La difficulté, c'était de trouver le mobilier qui soit en adéquation avec l'univers de la bande dessinée de Gaston, car Franquin a toujours été très attiré par le design, le mobilier. Un jour, on a eu la chance d'aller visiter les bureaux de BETC. Il faisait une porte ouverte et j'ai vu ces meubles. Ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est vraiment cela que je veux qu'on mette dans le décor. La rencontre avec Franck Schwartz, le chef décorateur du film Gaston, a juste été géniale parce que sans qu'on ait rien à lui dire, il avait totalement compris la philosophie du siège au Capisco. Il nous en a parlé comme nous on le fait au quotidien, en reconnaissant exactement la philosophie, le côté du design holistique, l'adéquation entre le design, l'ergonomie, la durabilité, parce que c'est un produit qui existe depuis 30 ans et il est toujours là, il est toujours aussi moderne. Et ça, c'était juste génial. Entendre Franck parler du produit, c'était, ça coulait de source. Et c'était une évidence qu'on allait avoir un coup de cœur les uns pour les autres. Ça a été une rencontre, c'est-à-dire approcher les gens de chez AG France et leur mettre ce challenge en main qui était... Est-ce que vous nous suivriez sur ce film, et notamment pour le mobilier? Et puis, la réponse a été hyper positive de leur part. Et ils ont joué le jeu, ils ont joué le jeu à mort. On a eu carrément carte blanche pour pouvoir meubler tout ce décor grâce à eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'y retrouve parce que c'est vraiment génial. Je trouve que si on peut associer le personnage de Gaston, qui est innovant, décalé, qui est là où on ne l'attend pas, avec ce siège, qui est aussi quelque chose de différent, innovant, là où on ne l'attend pas, mais qui remplit ses fonctions, on a tout réussi. Le mobilier est tellement designé, il colle tellement avec l'esprit de Franquin et de Gaston, que moi je suis franchement ravi et je tenais à les remercier d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Voilà, c'est très important pour moi de pouvoir le dire aujourd'hui. Donc voilà, le deal est rigolo, sympa, et puis on a un grand bonheur à pouvoir collaborer avec Gaston.